Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Tayeb MED physique chimie au secondaire. Terminal, dans cette séance, on va faire le chapitre numéro 3 de la mécanique concernant les applications des lois de Newton. Je parle ici du mouvement plan d'un projectile. On commence par étudier le projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Premièrement, c'est quoi un projectile? Un projectile est un objet lancé par une machine, arme ou lanceur dans une direction non verticale avec une vitesse initiale V0 de direction quelconque, bien sûr non verticale. Alors, les questions qui se posent, quel est le mouvement de ce projectile? Quelle est l'équation de sa trajectoire et les équations horaires paramétriques de sa vitesse et sa position? Petite 1, les équations horaires du mouvement. Un projectile est lancé avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec le plan horizontal. Étudions le mouvement de son centre d'inertie G dans le référentiel terrestre qu'on va le supposer galiléen. Donc choisissons un repère orthonormé OIJK dans l'axe OY vertical et orienté vers le haut et dans l'origine O et la position initiale du cours. Donc le repère orthonormé OX, OIJ, JK. Et le vecteur position OG. L'origine des dates est choisie à l'instant où le solide est lancé, c'est-à-dire au point O, l'origine du repère. Donc on va étudier le système qui est constitué de projectile. Le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces exercées sur le projectile est son poids P seulement. Son poids P seulement, c'est-à-dire le solide en chute libre. Bien sûr, les forces de frottement F et la poussée d'Archimède sont négligeables. D'après la deuxième loi de Newton, on a sigma des forces extérieures égale la masse du solide fois le vecteur accélération ag. Alors, P égale m fois a G et le poids P égale M fois le vecteur axe, le vecteur alors M fois le vecteur G égale à M A G. On simplifie par M et finalement on trouve que A égale donc A G égale G, le vecteur de pesanteur. Donc on représente P, le mouvement se fait dans le plan OX, OY. Donc le vecteur G est vertical vers le bas. Donc les coordonnées du vecteur accélération AG sont les coordonnées de G. Donc alors G est perpendiculaire sur l'axe OX, c'est-à-dire que GX égale 0 et GY, les deux sens sont opposés et les deux vecteurs parallèles, donc la projection de G sur Y ça donne moins G. On trouve les coordonnées de AG. Donc AX c'est 0, AY moins G. Le mouvement se fait dans le plan OX, OY, c'est-à-dire AZ égale à 0.
Conclusion, l'accélération est indépendante de la masse de l'objet. Il ne dépend que du champ de pesanteur G uniforme pour un mouvement s'effectuant sur une distance faible devant le rayon de la Terre. Petite b, équation horaire du vecteur vitesse VG. Donc, quelles sont les coordonnées de VJ? On sait que le vecteur accélération AG égale à la dérivée du vecteur vitesse VG. Donc, AX, c'est d de VX sur DT, on a trouvé 0. Et AY moins G est égal 0. Donc, VG est la primitive du vecteur accélération AG. Donc, on va faire l'intégration du vecteur accélération pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse VG. Donc, la primitive de 0, c'est une constante. Je vais écrire C1. La primitive de moins G, c'est moins GT plus une constante. Je vais l'appeler C2. Et finalement, la primitive de 0, c'est une constante C3. Donc, pour VY, si je remplace T, bien sûr, ici on a VY de T. Si je remplace T par 0, je trouve que V0Y égale moins G fois 0 plus C. C'est-à-dire VY0 égale à C2. Donc, directement, on peut écrire VX, c'est V0X, VY, c'est moins GT plus V0Y, et VZ, c'est V0Z. D'accord? Je vais répéter. Donc, par exemple, prenons VY0. Donc, on va remplacer dans cette équation. Je vais écrire moins G fois 0 plus C2. Donc, c'est 0, je trouve C2. Donc, directement, VC2, c'est VY0. Maintenant, il faut déterminer les constantes V0X, V0Y et V0Z. Pour déterminer les constantes, en tenant compte des conditions initiales. Donc, les conditions initiales sont très importantes dans l'étude du mouvement. Donc, le projectile est lancé depuis le point O. Choisi comme origine, le plan d'étude choisi est le plan contenant le vecteur vitesse initiale V0. Donc, le solide est lancé par l'origine. Alors, X0 égale à XO égale à 0. Je vais changer le stylo. Donc, Y0, c'est YO égale 0. Donc ici, ZO qui est égal à 0. Pour le vecteur V0. Donc on va faire la projection. Le vecteur V0 X, c'est la projection du vecteur V0. Donc on voit ici que la projection de même sens. Alors, il sera positif. Donc, si le côté adjacent, donc on va écrire V0 cos alpha. Pour V0 y, la projection, ce segment représente V0 y. Le sens est positif, donc c'est ce côté-là qui représente le sens opposé par rapport à alpha. Donc V0Y égale à plus V0 sinus alpha. Par exemple ici le cosinus alpha égale à V0X sur V0. Bien sûr la valeur absolue. Pourquoi? C'est une valeur algébrique. Donc le sens, le même sens. Donc V0X égale à plus V0 fois cos alpha. La même chose pour le
sinus, le sinus alpha sur le côté opposé. Pour alpha, le côté opposé. Le côté opposé, c'est V0 Y sur V0. Donc V0 Y, le même sens, c'est-à-dire positif, V0 sinus alpha. Donc, les conditions initiales sont très importantes dans l'étude du mouvement plan. Donc, je vais remplacer V0X par son expression. C'est V0 cos alpha. Ici, c'est V0 sinus alpha. Pour V0Z, c'est 0. On remplace dans l'expression de Vg, on trouve ici c'est V0 fois cos alpha, V0 sinus alpha et 0. Sont les coordonnées du vecteur vitesse Vg. Une petite remarque, la coordonnée Vx de la vitesse est Vx égale à V0 x, c'est-à-dire que V0 cosinus alpha est indépendante du temps. Donc, si on trace Vx en fonction du temps, on trouve une droite qui est parallèle à l'axe des x, l'axe de temps, pardon. Donc, Vx égale à V0 cos alpha. Ce point-là, c'est V0 cosinus alpha. Pour Vy, c'est une droite affine d'équation moins Gt plus V0 sinus alpha. Bien sûr, dépend du temps. Maintenant, c'est les équations horaires du mouvement. L'équation x de t et y en fonction du temps. De même, OG étant la primitive du vecteur VG. Donc, une deuxième intégration donne les coordonnées du vecteur position OG. Donc, on a trouvé que VX égale à V0 cos alpha. Donc, un petit rappel. Donc, VG égale D de OG sur D de T. Donc, c'est-à-dire Vx et Dx sur Dt est de même. Donc, on va faire l'intégration. Donc, V0 cos alpha, c'est une constante. Sa primitive, c'est V0 cos alpha T plus. La constante, c'est X0. Moins Gt, ça donne moins 1 demi Gt carré plus V0 sinus alpha T plus Y0. Et pour Z, on va trouver Z0. Donc, sans penser, donc pour Z0, c'est directement dans le plan OX, OY. Donc, on peut tout simplement écrire seulement les deux équations X de T et Y de T sans parler de leur donner Z de T. Or, on a trouvé que les conditions initiales, le solide est lancé depuis l'origine, donc Y0 et Z0 et X0 égale 0. On va remplacer par 0. On va trouver finalement X de T égale V0 cos alpha fois T plus 0. Moins 1 demi GT carré plus 0. Et ici 0. Le mouvement se fait sur deux dimensions, c'est-à-dire donc le plan OX, O et Y. Ce sont les deux équations du mouvement. Pour Z, on a dit qu'on ne va pas l'écrire. Remarque, l'équation horaire de l'abscisse X de T du projectile est une fonction linéaire, passe par l'origine. Et l'équation horaire Y de T du projectile est une fonction parabolique. Parabolique parce qu'une fonction de deuxième degré, t carré, donc la forme est parabolique. Deuxièmement, équation de la trajectoire du projectile, c'est-à-dire, donc on obtient l'équation de la trajectoire, y égale
f de x, y en fonction de x, en éliminant le temps dans les équations horaires x de t et y de t. X égale v0 cos alpha t, alors t égale à x sur v0 cos alpha. On remplace dans y t par son expression, on trouve l'équation horaire, l'équation de la trajectoire, moins g sur 2 v0 carré cos au carré alpha x carré plus x tangente alpha. Explication. Donc on a y égale moins 1 demi g fois x sur v0 cos alpha le tout, pardon, au carré plus v0 fois sinus alpha. Je vais remplacer t par son expression x sur v0 cos alpha. Donc je simplifie v0 avec v0. On trouve finalement y égale moins g sur 2 v0 cos alpha carré fois x carré plus x fois sinus sur cosinus c tangente alpha. Donc ici on a y égale à ax carré plus bx, c'est-à-dire équation de deuxième ordre. Alors, la trajectoire de centre d'inertie G est parabolique. Équation de deuxième degré. Vous voyez la même expression. V0 cos alpha le tout au carré, c'est-à-dire V0 carré fois cosinus carré. Remarque. Attention, cette équation n'est pas générale, c'est-à-dire elle dépend aux conditions initiales et du choix de l'angle alpha. On peut lancer le solide vers le haut, vecteur vitesse initiale v0 et un angle alpha avec l'horizontale, ou vers le bas, ou on peut lancer le solide horizontalement. Donc on a plusieurs possibilités, il ne faut pas apprendre la relation, mais il faut la déterminer et faites bien attention aux conditions initiales qui changent d'un exercice à l'autre. Petite 3, la portée. Définition, on appelle portée la distance maximale parcourue par le projectile horizontalement, c'est-à-dire cette distance-là, la distance OP. La distance OP est nommée la portée. Pour déterminer la portée XP, c'est-à-dire l'abscisse du point P, il suffit de remarquer que l'altitude YXP égale 0. Donc pour le point P, XP c'est la distance OP et YP égale 0. Donc on a X, donc on a Y égale 0. On cherche l'expression de XP, donc on va utiliser l'équation de la trajectoire. Donc on remplace Y par YXP et X par XP. Donc l'équation égale à 0. On factorise par XP, donc voyons, XP facteur de moins j sur 2 V0 carré cos au carré alpha fois XP plus tangente alpha. La solution de cette équation, c'est que soit XP égale 0 ou l'expression égale à 0. D'accord? Donc on va translater tangente à l'autre côté. Donc tangente c'est le sinus sur le cosinus. On va
simplifie par le signe moins ici et un cosinus avec un cos. Qu'est-ce qu'on trouve finalement? Xp égale à 2v0 carré cos alpha fois sinus alpha. Donc le tout sur g. Alors xp égale à 2v0 cos alpha fois sinus alpha sur g. Donc c'est-à-dire que xp c'est v0 carré sinus de alpha sur g. Un petit rappel mathématique, c'est que sinus de alpha égale à 2 cos alpha fois sin alpha. C'est un rappel mathématique. Donc on a finalement deux solutions. La première, c'est XO à l'origine, c'est-à-dire que la courbe coupe l'axe des X en deux points, X0, XO qui est égal à 0, et XP qui est égal à V0 carré sinus de alpha sur G. Donc l'expression de la portée. Remarque, plus V0 est grand, plus la portée est importante. Si le lancer est effectué au niveau du sol, la portée est maximale pour sinus de alpha égale à 1. On sait que sinus alpha est compris entre moins 1 et 1. Alors la valeur maximale pour le sinus c'est 1. Donc on sait que sinus 90 égale à 1, c'est-à-dire que 2 alpha, pardon, 2 alpha égale 90, alors alpha égale 90 sur 2, c'est-à-dire 45 degrés. Petite 4, la flèche ou le sommet. Définition, le sommet S correspond au point le plus haut atteint par le projectile, c'est-à-dire ce point-là. Pour déterminer les coordonnées de S, c'est-à-dire de déterminer XS et YS, on peut utiliser deux méthodes. Soit la composante verticale de la vitesse est nulle, on sait que la vitesse au point S est tangentielle par rapport à la trajectoire. Alors, VS est perpendiculaire sur l'axe OY, c'est-à-dire VYX égale 0. Ou, la deuxième méthode, la tangente à la courbe en S est horizontale, donc la dérivée de Y par rapport à X égale 0, c'est-à-dire la dérivée de l'équation de la trajectoire dans 0. La portée, c'est ce point-là d'abscisse XP. Maintenant, on va chercher les coordonnées du point S, c'est-à-dire XS et YS. Pour cela, on va utiliser la première méthode, la plus courte et la plus rapide et simple. Au sommet, la vitesse selon l'axe OY est nulle. Donc, on va remplacer dans l'équation VY de T. Donc, VYS égale à moins GTS plus V0 sinus alpha et qui est égal à 0. On a dit que VYS égale 0. C'est-à-dire que cette expression égale 0. On va faire sortir T. Donc, dire G TS égale à V0 sinus alpha. Alors, TS, c'est V0 sinus alpha sur G. Donc, les coordonnées de XS. Donc, on sait que X de T égale à V0 cos alpha fois T. Donc, XS égale à l'expression V0 cos alpha fois
TS. Donc je vais remplacer TS par son expression. V0 cos alpha fois V0 sinus alpha, le tout sur G. Donc c'est V0 carré cos alpha sinus alpha sur G. Je vais multiplier par 2 en bas et en haut. Et on sait que 2 cos alpha sinus alpha, on a dit déjà, que égale à sinus 2 alpha. Donc l'expression c'est V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. Pour déterminer Y, X, on va remplacer dans l'équation horaire Y de T. Donc, YS égale moins 1 demi G TS carré plus V0 sinus alpha fois TS. Et on va remplacer TS par son expression. Alors, on trouve moins 1 demi G fois V0 sinus alpha sur G, donc ici carré et ici carré, plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha sur G. Donc YS égale, je vais simplifier un G ici, alors je trouve moins 1 demi V0 carré sinus carré alpha sur G plus V0 carré sinus carré alpha sur G. Maintenant, je vais factoriser par V0 carré sin carré alpha sur G, facteur de moins 1 demi plus 1. Et moins 1 demi plus 1, ça donne 1 demi. D'accord? Alors, je trouve l'expression finale. Donc, V0 au carré, sinus 2 au carré, alpha sur 2G. Tu peux faire la comparaison entre les deux relations pour égaler ceux de là et au carré en haut. Par contre, l'axe des X horizontal. Remarque, plus V0 est grande, plus la flèche sera importante. Et plus l'angle alpha est proche de 90 degrés, plus la flèche sera élevée. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires. S'il y a des remarques, écrivez-la aussi. Un exercice type bac, il va s'afficher sur l'écran. Rédige-la pour s'entraîner, s'abonner et partager la vidéo avec vos amis et vos collègues. Au revoir, à la prochaine vidéo.